Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les comportements que les personnes intelligentes, en particulier celles influencées par la philosophie stoïcienne, choisissent d'éviter pour mener une vie plus équilibrée, épanouissante et pleine de sens. L'intelligence, loin de se limiter aux simples réussites académiques ou à un QI élevé, se révèle souvent dans la manière dont on fait face aux épreuves de la vie, les décisions que l'on prend, et surtout les habitudes que l'on choisit de ne pas adopter. Les stoïciens, figures emblématiques de la sagesse antique, sont un exemple parfait de cet art de vivre réfléchi et maîtrisé. Imaginez un ancien philosophe grec paisiblement assis dans un cadre naturel et apaisant, incarnant la sérénité et la maîtrise de soi dans un monde en mouvement. Premier, éviter la réactivité émotionnelle. L'un des premiers pièges que les personnes véritablement intelligentes et réfléchies évitent est la réactivité émotionnelle. Elles comprennent que réagir impulsivement à des situations peut souvent mener à des décisions regrettables et à des conflits inutiles. Inspirées par la philosophie stoïcienne, elles apprennent à maîtriser leurs émotions et à adopter une attitude plus mesurée face aux défis de la vie. Au lieu de céder à la colère ou à la frustration, elles marquent une pause, prennent le temps de réfléchir et choisissent ensuite une réponse calme et réfléchie. En pratiquant cette maîtrise émotionnelle, elles gardent le contrôle de leur vie, prenant des décisions fondées sur la raison plutôt que sur des sentiments éphémères. Deuxième, éviter les drames inutiles. Les personnes intelligentes, et en particulier celles influencées par le stoïcisme, comprennent que s'engager dans des drames et des conflits inutiles est une perte de temps et d'énergie. Elles évitent de se laisser entraîner dans des querelles futiles ou des commérages, car elles savent que cela détourne leur attention de leurs objectifs plus importants. Le stoïcisme enseigne l'importance de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et de laisser tomber ce qui échappe à notre influence. En se tenant à l'écart de ces distractions, elles préservent leur paix intérieure et continuent à avancer sur le chemin de la croissance personnelle et de l'épanouissement. Troisième, éviter les plaintes et le fait de blâmer les autres. Les personnes intelligentes évitent de se plaindre constamment ou de rejeter la faute sur les autres. Elles comprennent que se lamenter sur leurs difficultés ou accuser les autres est une perte de temps et d'énergie précieuse. Au lieu de se poser en victime, elles préfèrent prendre leurs responsabilités et se concentrer sur des solutions constructives. Le stoïcisme nous enseigne que chaque obstacle rencontré dans la vie est une opportunité de croissance et d'apprentissage, et non un simple problème. Les personnes intelligentes adoptent cette vision et transforment les défis en occasion de progresser. Quatrième, éviter la quête de validation externe. Les personnes intelligentes, et plus particulièrement les stoïciens, ne cherchent pas à obtenir constamment l'approbation des autres. Elles se concentrent sur leur propre boussole intérieure et préfèrent agir selon leurs principes et leurs valeurs plutôt que de se laisser influencer par les opinions externes. En refusant de dépendre de la validation des autres, elles préservent leur autonomie émotionnelle et poursuivent leurs objectifs avec une plus grande clarté. Le stoïcisme nous enseigne que l'opinion des autres n'est pas sous notre contrôle et qu'il est inutile de s'en soucier. Cinquième, éviter la procrastination. Les personnes intelligentes savent que la procrastination est un ennemi insidieux qui peut ralentir leur progression vers leurs objectifs. Elles comprennent que remettre au lendemain les tâches importantes ne fait qu'accroître la pression et compromettre leur réussite. Inspirées par les principes stoïciens, elles choisissent d'agir dans l'instant, valorisant chaque moment comme une opportunité de progresser. Le temps est une ressource précieuse et non renouvelable, et les personnes intelligentes ne souhaitent pas le gaspiller en tergiversant ou en remettant les choses à plus tard. 6. Éviter les excès et la recherche de plaisir immédiat. Les personnes influencées par le stoïcisme sont conscientes des dangers que représentent les excès et la quête de gratification instantanée. Que ce soit dans la consommation de nourriture, de biens matériels ou de divertissement, elles savent que trop d'abondance peut entraîner une perte d'équilibre et de maîtrise de soi.
Au lieu de se laisser aller au plaisir immédiat, elles préfèrent pratiquer la modération et conserver une certaine discipline dans leurs habitudes de vie. Le stoïcisme enseigne que le bonheur durable se trouve dans l'équilibre et non dans la recherche constante de plaisir. 7. Éviter l'entêtement et l'égoïsme. Les personnes intelligentes évitent l'entêtement aveugle et l'égoïsme, reconnaissant que la flexibilité et l'ouverture d'esprit sont des qualités essentielles pour évoluer dans un monde en perpétuel changement. Elles sont capables de réviser leurs opinions lorsqu'elles sont confrontées à de nouvelles informations, et elles n'hésitent pas à admettre qu'elles avaient tort si cela s'avère nécessaire. Le stoïcisme enseigne que l'humilité et la capacité à s'adapter sont des forces, non des faiblesses. En évitant l'égoïsme et en adoptant une perspective plus large, elle favorise la collaboration et l'apprentissage continu. 8. Éviter de gaspiller du temps sur des activités futiles. Les personnes intelligentes, inspirées par les principes stoïciens, reconnaissent la valeur inestimable du temps. Elles évitent de le gaspiller sur des distractions superficielles ou des préoccupations futiles, préférant consacrer leur énergie à des activités qui nourrissent leur esprit, améliorent leurs compétences ou renforcent leurs relations. Que ce soit dans la lecture, l'apprentissage ou la pratique de la méditation, elles savent que chaque instant peut être investi de manière productive et enrichissante. Le stoïcisme nous enseigne que le temps est la seule ressource que nous ne pouvons pas récupérer, d'où l'importance de l'utiliser avec sagesse. 9. Éviter la peur de l'échec. Les personnes intelligentes et stoïques ne craignent pas l'échec. Elles comprennent que l'échec fait partie du processus d'apprentissage et de croissance personnelle. Plutôt que de fuir l'échec, elles l'embrassent comme une opportunité d'amélioration et de développement. Elles reconnaissent que chaque échec est une leçon qui les rapproche un peu plus de leurs objectifs. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas être définis par nos erreurs, mais par la manière dont nous réagissons et en tirons profit. 10. Éviter les relations toxiques. Les personnes intelligentes et stoïques sont conscientes de l'influence que les autres peuvent avoir sur leur bien-être mental et émotionnel. Elles choisissent d'éviter les relations toxiques qui les drainent émotionnellement ou les empêchent de progresser. En évitant ces influences négatives, elles créent un environnement plus propice à la paix intérieure et à la croissance. Elles privilégient les relations fondées sur la réciprocité, le respect et le soutien mutuel. Conclusion. En fin de compte, être véritablement intelligent ne se résume pas à la quantité de connaissances que l'on accumule, mais plutôt à la manière dont on applique ces connaissances dans la vie quotidienne. Les personnes intelligentes, influencées par la sagesse stoïcienne, comprennent que leur bien-être mental, émotionnel et spirituel repose autant sur les choses qu'elles choisissent de ne pas faire que sur celles qu'elles accomplissent. Elles évitent les comportements et les habitudes qui compromettent leur tranquillité d'esprit, leur productivité et leur croissance personnelle. En cultivant l'art d'éviter ces pièges, elles sont capables de mener une vie plus sereine, épanouissante et centrée sur l'essentiel. Ce cheminement vers une existence plus consciente ne se fait pas sans effort, mais il est à la portée de quiconque est prêt à adopter une philosophie de vie plus réfléchie, telle que le stoïcisme. En intégrant ces principes, nous pouvons tous apprendre à mieux maîtriser nos émotions, à éviter les distractions inutiles et à nous concentrer sur ce qui est réellement important. C'est là que réside la véritable intelligence, dans la capacité à naviguer dans la vie avec sagesse, résilience et discernement.